Bonjour et bienvenue à vous tous réunis ici dans la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. La messe est offerte ce matin par Madame Thérèse Rachel Tremblay pour la guérison de son neveu. Nous célébrons aujourd'hui la fête d'une bienheureuse qui a vécu ici longtemps au Canada, la bienheureuse Marie de l'Incarnation. Au début de notre célébration, demandons au Seigneur de nous aider à célébrer dignement cette Eucharistie en faisant comme elle, Marie de l'Incarnation, qui pour répondre à ton amour a constamment fait ta volonté. Pour Marie de l'Incarnation, il importait de faire parfaitement ta volonté, Seigneur. Viens à notre aide quand nous nous replions sur nous-mêmes et pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. L'Eucharistie était la source de l'action apostolique de ta fidèle servante. Viens à notre aide quand nous avons tendance à vivre centrés sur nous-mêmes et pardonne-nous, Seigneur. Ton ardente missionnaire voulait donner à la jeunesse une éducation chrétienne et entraînait Indiens et Français à une religion d'amour. Viens à notre aide quand nous n'avons pas assez à cœur d'éduquer les jeunes dans l'amour et pardonne-nous, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as conduit la bienheureuse Marie de l'Incarnation jusqu'à la contemplation du mystère de la Trinité et tu as fait d'elle un apôtre au cœur de feu. Accorde-nous par son intercession et suivant son exemple de vivre en témoin de ton amour pour que soient toujours plus nombreux ceux qui parviennent à te connaître, t'aimer et te servir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Je tombe à genoux devant le Père, qui est la source de toute paternité, au ciel et sur la terre, lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance par son esprit pour rendre fort l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Alors, vous serez comblés et vous entrerez dans la plénitude de Dieu. Parole du Seigneur. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira.
sans ombre ni trouble au visage. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge, saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Seigneur, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, il vous donnera le repos. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait : Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers téléspectateurs et téléspectatrices, quelle vie extraordinaire que celle de Marie Guyard, dite bienheureuse Marie de l'Incarnation. Femme d'affaires, mariée à 17 ans à Claude Martin et veuve à 19 ans, avec un jeune enfant de 6 mois, appelé aussi Claude. Après le décès de son mari, elle réussit à vendre le commerce que son époux avait mis sur pied et elle retourne chez son père pour s'occuper de l'éducation de son fils. En même temps qu'elle travaille comme administratrice dans une entreprise de transport commerciaux, elle développe son union avec Dieu, favorisée de grâces mystiques. En 1631, âgée de 32 ans, elle entre chez les Ursulines de Tours en France, où elle prend le nom de Marie de l'Incarnation.
Elle confie son fils, âgé de 12 ans, à sa sœur, avec qui elle entretiendra une correspondance régulière. Puis, elle sent un appel à venir en Amérique, ce qu'on appelait à l'époque la Nouvelle-France, pour consommer sa vie au service de Dieu et pour l'éducation des jeunes, particulièrement des Amérindiennes en Nouvelle-France. Toute sa vie est un combat pour la justice et la vie mystique. Elle sait allier parfaitement la vie de prière et la vie apostolique. Marie de l'Incarnation a entretenu avec Dieu une relation amoureuse, source de confiance, de fidélité et de générosité. Elle a vécu ce que nous invite à faire Saint Paul aujourd'hui, que le Christ habite en vos cœurs par la foi, restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. À son fils Claude, elle écrivait « Dieu ne m'a jamais conduite par un esprit de crainte, mais par celui de l'amour et de la confiance. » Alliant merveilleusement la vie apostolique et la vie mystique, Marie de l'Incarnation vivait aussi familièrement avec la Vierge Marie. « Je la sentais, disait-elle, sans la voir auprès de moi, m'accompagnant dans mes allées et venues qu'il me convenait de faire dans le bâtiment. » Son biographe raconte cette anecdote savoureuse. Chemin faisant, elle dit à la Sainte Vierge, en sautant sur les échafaudages, « Allons, ma divine mère, allons voir nos ouvriers. » Marie de l'Incarnation a vécu selon l'esprit des béatitudes, en se sachant toute dépendante de Dieu, en vivant dans la douceur, la compassion, le zèle pour la gloire de Dieu, malgré les obstacles, malgré les persécutions. Chers amis, que sa prière et son exemple nous aident à grandir, nous aussi, dans la foi et dans l'amour, et à vivre toujours plus selon les esprits des béatitudes. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que ton peuple consacré
t'offre aujourd'hui à l'honneur de la bienheureuse Marie de l'Incarnation. Que notre participation à ce mystère fasse de nous les témoins de ta charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur, juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire. Car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian Lépine et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, la bienheureuse Marie de l'Incarnation, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais que nous trouvions un soutien dans ce repas sacré, pour qu'à l'exemple de la bienheureuse Marie de l'Incarnation, notre cœur et toute notre vie témoignent de notre charité fraternelle et du rayonnement de la vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À vous tous, je souhaite une bonne journée sous la protection de Saint-Joseph et de Saint-Frère André. Allez dans la paix et la joie du Christ. Amen.